Bonsoir. Et bienvenue pour la suite de Nomi Factory. Clic. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup. Planque-toi pour le 27e mois d'abonnement Prime. Bonsoir tout le monde. J'étais en train de remplacer les câbles là-haut. J'ai pas tout à fait fini. J'ai fini le dessous de ce niveau-là. Remplacer tous les câbles de Ender.io par les câbles de Apple Energy Sticks. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Il va plus que me rester cet étage-là. Et après, au-dessus, je crois qu'il y a pas grand-chose à faire, en fait, au-dessus. Parce que j'ai déjà modifié pas mal de choses, là. Mais voilà. Alors, je suis resté pas mal à AFK sur le monde. J'ai pas regardé encore les ressources que j'avais. Hop. Mais la dernière fois, on s'était arrêté. Ouais, il fallait qu'on fasse du Tritanium Coil pour pouvoir faire. Je crois que c'était un truc là-dedans. Ça. Voilà, ce lingot-là. L'Enrich Nakwada Trini Trinium Europium Duranide. Donc c'est un mix qui se fait que en UV, donc ça on l'a. Mais Blast Furnace me demande du Tritanium. Coil. Ce qui est un peu cher. Donc on va voir si on va pouvoir le faire maintenant. Avant. Est-ce que. Comment c'est Enderium. Ouais, j'ai de l'Enderium. Ok. Donc on va pouvoir déjà mettre les câbles ici. C'est déjà une bonne chose. Il m'en faut. Comment il m'en faut? Bonsoir à tous. 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Il m'en faut 32, hein. Il m'en faut 32. La vache, j'ai déjà quasiment plus rien. Merci le gadjo pour le 28e mois d'abonnement. Bonsoir tout le monde. Y a moyen d'avoir de l'Endarium plus rapidement que là-dedans. Parce que là, on est en tier Nakwada. Bon, on fait pas du 1040 secondes. Je regarde combien on en fait. Il est où? Il est là, ouais. 8 secondes par lingot. Et ça, je l'ai modifié. Pas hier, mais avant-hier, quand on a coupé le stream pour avoir plus d'Endarium. Et j'ai mis des LUV Energy Converter avec des LUV en 16 A derrière. Donc, on peut peut-être. Vu qu'on a un petit peu d'Endarium, on peut peut-être aller dans le ZPM. Est-ce que ZPM, j'ai du 16 A? Ça n'a pas l'air. Je vais essayer. Voir si je peux lui faire faire. Histoire d'accélérer ça. Parce que le l'Enderium en poudre, ça va. L'autre. Compliqué. Il mange des baguettes. Absolument. C'est des baguettes. Alors, ZPM 16A. Ça va être lui. Non, c'est Energy Hatch qu'il me faut. C'est lui qu'il faut que je crafte. Clac. On le récupère. Et lui, c'est dans un assembleur. Donc, on va le mettre dans un assembleur. Assembleur. Assembling plutôt machine. Tu le fais où ça? Ça va aller là. C'est où ça du coup? Ah, c'est bien sur les processing array. Ok, cool. Donc, tiens. ZPM 16 A, il va nous manquer. Waouh, oh, un puits d'europium? T'es sérieux, toi? J'ai plus d'europium. Quelle galère. J'avais besoin du fluide d'europium, je sais même plus. Ah, j'en avais besoin là. Peut-être pour ça que j'en ai plus. J'en avais besoin pour faire un mix. Là par. Non. Ah non, j'en avais besoin pour faire les lingots. Oui. Ça fait chier pour l'europium, ça, par contre. Hein. Parce que je vais peut-être me retrouver encore bloqué à devoir faire je ne sais quoi pour pouvoir avancer. C'est la version normale, là.
Il y a des tapis de bureau. Ah oui, sur le shop, il y a des tapis de bureau, c'est... Metal Beam, bonsoir. Bon, je vais regarder déjà ce qui nous manque. Il nous manque ça, ça et ça. Donc ça se fait avec du lube. Ok. Est-ce qu'on a écrit non, hein? Faut que je regarde les assembling machines qui utilisent du lubrifiant. Celui-ci, peut-être? Ceux-là, peut-être. Peut-être ceux-là. Yes. Yes. On va pouvoir le mettre ici. Ok, cool. Donc, si je rebalance... Bah, de toute façon, ça, c'est bon. Faut qu'on fasse ça. Assembleur encore. J'ai plus de pattern. Là. Et ça va aller là-haut. Nice. Et enfin le vanium gallium wire. Vanadium gallium, on a en x4. Il nous faut du x8. On prend 2 x4 pour faire un x8. Voilà. Ok. Ah oui, tiens, il y a des choses aussi que j'ai un peu modifiées sur la map. Il n'y a plus les drawers qui traînaient ici. Les drawers, je les ai balancés dans l'end. Donc, en gros, maintenant, Wood Farm. Ils sont là, maintenant, les drawers. Et on peut voir qu'il y en a plein d'autres, des drawers. On a tous les drawers que j'avais farmés quand je faisais de l'énergie avec le fission, réacteur de Nuclear Craft. Donc, tout ce qu'il y avait de Nuclear Craft ici, le grand mur de machine, je l'ai viré. Parce que ça ne servait plus à rien. Et j'ai réaugmenté les tours pour faire des crafts. De 2 étages. Et pareil ici, j'ai dû modifier les inputs ici. J'ai dû mettre du ZPM parce que comme on peut le voir, j'ai plein de tiny piles. Et avant, j'avais la version avant. Je crois que j'avais du LUV. Je crois en input bus. Et bah, il n'y avait plus de place pour réinstaller d'autres tiny piles. Du coup, bah, le tungsten steel crate était full. Il n'y a rien qui se balançait là-dedans. Et tout était bloqué ici. Ce qui fait que ça n'a pas bougé pendant un petit moment. Et du coup, bah, on a toujours des minerais à process là-dedans. Voilà. Donc, mais c'est fixé maintenant. Un petit peu ce qui a été modifié. Alors. ZPM. 16 A énergie hatch. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Ça, ça et ça. Ok. Donc, il va nous demander du vanadium gallium rod. Est-ce que je vais avoir ça? Je crois que c'est dans bending, hein. Ouais, c'est dans bending. Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vanadium. Yep, ça c'est bon. C'est le long yttrium. Est-ce que j'en ai de ça? Non. Faut que je fasse aussi. Et lui, c'est dans le bending. Très bien. Et maintenant, il n'y a plus que lui. J'espère qu'il va pas me demander ça. On verra bien. Non, là, il manque que l'europium. Ok, ça va. Merci, monsieur Basilic Vegeta. À plus tard, vidéo. Salut, Gauthier. Bon, l'europium. Problème, ça. Je crois qu'il se fait là, l'europium. Hein. Ouais, il se fait là, l'europium. On a toujours les fluides, hein. Clique là où il faut. Ouais, on a toujours les fluides, c'est juste que c'est lent. C'est probablement ici que ça se mange l'europium. Hein. Là, on a tout ce qu'il faut, c'est bon. Là-bas, d'ailleurs, tout ce qu'il faut aussi, ouais. Et dans l'output. Ah, c'est pour ça qu'on a plus d'europium.
Ah, attends. Ah, il est sur zéro. Ah, d'accord. C'est pour ça. Je les avais enlevés, je les avais remis, mais ils les remettaient pas là-dedans, ce qui fait que... Ok, ok. Je comprends mieux maintenant. On va couper l'alimentation en europium. Hein. Pour l'instant. Parce qu'on va jamais avoir ce qu'il faut sinon. Et ça va nous... embêter par la suite. Je vais récupérer d'ailleurs ce qu'il a mis dedans. Il en a pas mis ici, hein. S'il en a mis ici. Ok. Europium, du coup, j'en ai 40. Ça va remonter petit à petit, ça. Du coup, ZPM. Ouais, il nous manque juste... Bon, en fait, il nous en faut 2 stacks de ça. Pour être bien. Et du coup, il me faut 2 stacks de ça. Go. Et on va modifier ça sur l'Enderium. Histoire de l'accélérer parce que... Là, l'Enderium est en chute parce qu'il me fait en fin de compte de l'Enderium en fluide. Ça va que j'en ai, mais lui, il est utilisé en fait. Pour faire le Naquadria, et le Naquadria actuellement est en train de se transformer en lingot qui est réutilisé je ne sais plus où. Ah bah je crois pour faire le fluide de Naquadria. Pour pouvoir... Alors c'est pas pour ça. C'est pour faire les crafts là-dedans. J'en ai parfait depuis. Ça devrait le faire. Il y a Americium. Exactement. Et oui, ça existe. ZPM. On a cela maintenant. Hein. Faudrait que je le modifie, ce craft. Ok. ZPM. Il faut que j'enlève. T'as terminé de me les faire? Non. Ah, il a terminé de me les faire. Très bien. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Je vais pouvoir l'enlever. Le mettre là. Enlever ce circuit et mettre celui-là à la place. Parce qu'il peut mettre celui-là. Hein. Yes. C'est le dernier de façon. Tiens, faudrait qu'on regarde aussi où est-ce qu'on en est au niveau du tritanium. J'ai pas vérifié ça. Bon, elle est là. Merci. Moléculaire. Tritanium, on en est où? Ah, on a bientôt le stack de blocs, c'est bien. Merci Willan pour le 8e mois Prime. Merci beaucoup à toi. Ok, faudra qu'on regarde pour faire les coils après, sérieusement. Mais là, maintenant qu'on a débloqué ça, où est-ce qu'on en est au niveau de l'europium? Car on a déjà un stack, donc on peut récupérer... Au moins un ZPM 16A. Et voir ce que ça va donner au niveau de l'Enderium ici. On a 8 secondes. Trinium Coil, je vais probablement pas lui mettre cela pour l'instant. Parce que je vais en avoir besoin ailleurs. Mais 8 secondes, je le note, tiens. 8S. Je vais laisser ça du coup. On va juste enlever celui-là. Et ensuite enlever celui-là. Alors. Un petit peu long. J'espère surtout avoir mis les machines au bon endroit pour les crafts. Il y a un craft qui a l'air d'être terminé. Lui, il lui faut quoi? 0 point module. Il devrait l'avoir. Après, c'est 10 secondes en ZPM. Là où il y a du lubrifiant. Pas l'impression qu'il me le fait, lui. Hein. On va aller vérifier où est-ce qu'il est. Est-ce
C'est bien. C'est lui. Non, il travaille pas. Il a mis les ingrédients dedans, mais c'est sûrement parce que lui, il faut, voilà, il faut du ZPM. Et eux, c'est des LUV. C'est pour ça qu'il le fait pas. Bah, faut changer ça. Que dalle de ça. De bras et circuit. Attends. Salut, mapper. Mon épée qui traverse les murs. C'est The Ender de Ender.io. Et en fait, il a le pouvoir travel. C'est basiquement ça. C'est le Staff of Traveling dans mon épée qui me permet, quand je fais shift, clic droit, de passer à travers. De me TP en fait. Bonsoir, Platoon. Ok, circuit, on a. Donc là pour l'instant je pense que je vais lui mettre qu'une seule machine en ZPM pour faire les crafts. Ça ira pas plus vite que la musique ce truc là. Mais plus tard on pourra l'améliorer. Là vraiment il faut que j'améliore mon Enderium parce que j'en ai pas assez. Ok les deux bras c'est bon. On va boire juste après. Raté. Voilà le craft se fait. Très bien. Et du coup, lui, c'est pareil ou pas? J'ai peur que oui. PM 4 ampères. On va vérifier, hein. PM 4A. Ah, il est là. Donc lui, ouais, il a besoin du LUV. Il est où? Que je modifie ça aussi, je pense. Hein. On est en quoi? IV, ouais, faut changer. Assembling machine encore. Faut du LUV. Ça, j'en ai. Assembling machine. Voilà. X. Ça, bien de Kevin. Nice, il me l'a fait. Donc on était sur 8 secondes, hein. Ok, on a réduit de par 2, 4 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, je suppose qu'en changeant les coils, ça ira encore plus vite, hein, mais. UHV, je crois que c'est le max-max, hein. Ouais, c'est le max-max. Pas aller plus loin que ça. On va laisser ça comme ça, hein. On aura de l'Enderium un petit peu plus rapidement, tant mieux. Donc on va pouvoir connecter lui maintenant. Bien. Non, Elgayer, je pense pas.
Je pense pas que tu puisses faire ça. Après, je sais pas si. Je vais quand même vérifier un truc, hein. Si on peut mettre plusieurs machine access interface. Donc processing array. Non, il en veut qu'un seul. Donc vu qu'il en veut qu'un seul, on peut mettre qu'une seule machine dedans de plusieurs stacks. Pas enfin, de plusieurs stacks. De 1 jusqu'à 16. Parce qu'actuellement, ce processing array, le bleu, il fait 16 crafts parallèles. Après, il y a le vert qui fait 64. Mais c'est pas pour maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse là-haut? Fallait qu'on refasse celui-là, le Darmstadium. Et de 38 continue comme ça et hâte de voir la nouvelle série vidéo. Merci Yanizi pour le 38e mois d'abonnement. Merci à toi. Et ça fonctionne. Tank. Normalement, il va directement se faire absorber pour faire les lingots. Voilà. Donc ça tourne, c'est bien. En bas, s'il tourne pas tout le temps, c'est parce qu'il a pas tout le temps le duranium, c'est ça? Ouais. Le duranium, il le fait. Je crois qu'il le fait là. Ouais, c'est ça. Et lui, il tourne non-stop, hein. Mais en vrai, ce serait cool de pouvoir mettre le duranium sur un MK2. Histoire d'accélérer la vitesse de ça. Après, je peux peut-être changer ça, hein. Le LUV, là. Pour l'instant, je suis en LUV. Je pense qu'en vrai, c'est mieux d'aller directement sur un MK2 pour aller plus vite là-dessus. Parce que là, on met 3 secondes pour faire quelques millibuckets. Ah oui, ça brille, hein. On est pas mal. Je parviens à vérifier où s'en étaient les rotors. 50%. 14. Bon, non, ça va. Bon, maintenant, l'idée c'est qu'il faut qu'on lui apprenne à faire le Tritanium Coil Block. Il faut le faire dans une machine UV. Et il faut le faire dans un Elite Assembling UV. Et je sais plus si je l'avais fait celui-là. Machine UV, je sais que j'en ai là-haut. J'ai que lui en UV1, ouais. Donc, il va falloir que je le pose là. Pour le faire. Ou alors. Je le mets là-dedans. J'enlève mon Elite Assembling Machine en ZPM. Je lui fais un UV, je le fous là-dedans et il peut faire le craft ici. La seule chose, c'est que on a du Naquada, du Tungsten Steel. Je lui ai demandé de faire des bus, Distinct Bus. Yes, fait yes. Ouais, parce qu'il a tout ça comme coil. Et faut que je lui ramène du Trinium après. J'en ai d'ailleurs du Trinium. Ouais, ça va. Ça va. Trinium, c'est cool. Ok, bon, faut d'abord faire ça. Oh la vache. Rien de tout ça, hein. C'est là qu'on va voir si on va pouvoir faire tout, hein. Mets ça de côté. On va se mettre là. Le robot arm qui demande Naquadria, lubrifiant, soldering alloy. Au niveau des circuits, on n'est pas d'accord avec celui-ci. Voilà, s'il te plaît, merci. On n'est pas d'accord avec lui non plus, hein. Nice et conveyor. Oh la vache, il veut 4 liquides là. Vas-y, mets ces 4 là de côté. Et ici, à part le styrène butadienne, on est bon.
Ok, boum. Pourquoi je me fais spam en récompense Minecraft dans mes notifs Twitch? C'est parce qu'il y a la Minecraft Live. Dans pas longtemps. Alors, on a le Naquadria. On n'a pas le styrène butadienne. On a le lubrifiant. Et on a le soldering alloy. Donc, faut juste que je lui redonne du styrène butadienne. Hein. Quad, je crois que j'en avais un en rab. Pas du tout. En prendre un. Nice. Donc il est capable de faire maintenant mes UV Robot Arm et mes UV Conveyor Module. Fais voir. Enfin, capable. Non, parce qu'on n'a pas regardé tout ce qu'il fallait qu'on farme là-dedans. On n'a pas encore le... Oh là là, il va me redemander du tritium. Oh là là. J'espère qu'on va pas trop en utiliser. Small. Ah, il faut que je fasse le piston. Ah, oh, il faut de l'europium en lingot. Ça fait chier. Europium. Je lui avais enlevé le downgrade du fine Europium Wire, mais je pense qu'à mon avis, on va le calmer un petit peu sur sa production à lui, hein. Alors, on va te mettre ça, ça et ça. C'est que là, il va pouvoir me mettre. Bah, je crois que c'est pile poil là. Hein. C'est x2, ouais, ça. Bah, on est bon. On pourra pas m'en mettre d'autres au-dessus. Du coup, piston. Il va sûrement y avoir plein de trucs que j'ai pas. J'ai le moteur? Ouais, j'ai le moteur. Donc UV. Moteur. Il a tout ce qu'il faut pour le crafter. Piston. Il manque les plaques que j'ai bookmark. Le Nakoda Alloy Gear et le Nakoda. Enfin, le Small. Et le classique. Bonsoir. Bonsoir, Matsuki. Merci pour le 43e mois d'abonnement. J'allais te demander si tu t'étais décidé avec pour ton planning. Non, pas du tout. Pour le coup, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça. Oh, j'espère vraiment qu'on aura assez de tritanium. Hein. Le screw, ça va être avec le bolt. Ouais, c'est avec le bolt. Et le bolt, c'est... Alors, je crois... Ah, je sais plus si j'ai fait un extrudeur bolt. On verra. Et enfin, la plaque. Ok. Extrudeur. Déjà, on va mettre les gears. Small gear.
On va pas avoir fait d'extrudeur bolt. Fais voir comment je fais les bolts ici. Ah, les bolts, je les fais avec les rods. Ok. Bien ce qui me semblait. Tiens, et du coup, Rod, il les a déjà. Très bien. Et ça, c'est Lat. Et ça, c'est Bending. Le saviez-vous? Non, moi non plus, c'est incroyable, et pourtant c'est vrai. C'est terrible comme nouvelle quand même. T'as un rendez-vous avec un client vendredi? Ah, c'est con. Effectivement, tes congés, c'est mort. On y retourne. Il me faut deux modules. UV de conveyor. Ok, il est capable. Boum, j'envoie. Il veut deux bras. Et là, il peut pas parce que, voilà, l'europium, on n'a pas encore. Et l'europium, on est d'accord. C'est au-dessus, hein. Oh, please. Ouais, c'est ça. Là, c'est full. Je vais lui demander de pas prendre le lingot là. Range-le là-dedans pour l'instant. Enderium, on en est où? Ouais, on est en positif maintenant, Enderium, c'est bien. Donc les bras, c'est mort. On va lui demander un UV. Machine, houl. Les UV circuits. Ça va être cela, hein. Salut Dibio. Ah c'est lui. Quoi que tu me diras, non, l'europium il est où? Il est là? Il est à l'europium. J'ai bien envie de le foutre là, l'europium, en attendant. C'est terrible de tout déplacer à chaque fois. C'est dommage qu'on n'ait pas de craft qui passe du MK1 au MK2, parce que du coup, si j'enlève lui, au final, il me servira plus à rien. Il y a des drops Minecraft. Oui, apparemment, il y a des drops Minecraft, ouais. Quel est ton avis sur React après avoir passé plusieurs mois à jouer à Nomi Factory? Bah, le problème c'est que je peux pas vraiment avoir d'avis parce que le GrecTech a été modifié sur ce modpack. C'est pas du GrecTech Vanilla. Donc j'aurais tendance à dire c'est trop de grind pour pas grand chose, mais c'est le modpack, c'est pas GrecTech, donc je peux pas avoir d'avis sur GrecTech. En soi c'est bien GrecTech, hein, mais... Comment dire? Là, tu vois, si tu veux, on est littéralement obligé. Enfin, on est obligé d'attendre là pour avoir nos ressources. On peut pas aller plus vite. Donc, on va peut-être essayer d'avancer sur Draconic, hein, en attendant. On peut pas faire grand-chose. Donc, pour avoir lui. Il va nous falloir du neutronium et du chaos shard. Et également des crystal matrix blocks. Coûte cher, hein. Crystal matrix. Ok, je vais lui apprendre à faire des blocs. Ou alors, je vais directement lui demander quand il le craft. De me le stocker dans un drawer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a quoi là-dedans? Il y a du charcoal. Je vais le stocker. Enfin, je vais le poser, quoi.
Ah, comme ça on a directement les blocs, pas obligé de les crafter. Ouais, je vais mettre. Je vais faire là les crafts. De toute façon, je vais juste en prendre un pour l'instant. Tu me diras non, je vais lui apprendre. Voilà. Pourquoi s'embêter? Il y a tout, donc let's go, hein. Tu attends, c'est que tu n'as pas fait assez de machines avant. Le problème, c'est que faire des machines avant, ça voudrait dire refaire de l'énergie. Et on m'a dit un milliard de fois, ah mais dans GregTech, il faut pas stocker l'énergie. Faut directement l'utiliser. Donc moi je comprends pas ce qu'on me dit quand on me dit ça. Et donc ça on en aurait besoin pour... Ouais, lui là, le 9 et le 10. Ça je pourrais lui apprendre. Il serait capable de le faire. Non, l'Ultimate Generator, à mon avis, c'est juste pour les crafts. Hein. Ça me génère rien du tout. Hein. C'est un bloc Content Tweaker, donc à mon avis, ça génère rien du tout. C'est pas Greg qui décide. Ah non, ça c'est sûr. Non, Loves, on m'a dit faut pas stocker l'énergie. On m'a dit que l'énergie, il faut le produire et l'utiliser. Tout cas, on m'a dit que c'est comme ça que les gars de GregTech jouaient. On l'a toujours pas parce qu'il nous manque toujours ça. Donc en fait, il nous manque toujours. Attends, mais je l'ai pas encore fait. Ouais, c'est UV, c'est ça. C'est cette machine-là. Ok. Et c'est pour ça qu'on l'a pas. On peut aller plutôt facilement vers une meilleure armure si on veut. Après, il y a ça qu'il va falloir qu'on fasse. Krypton, ouais, Trinium, pareil en Blast Furnace, donc quoique Trinium, non, on l'a. C'est pas Trini, c'est pas Tritanium, pardon. Ça, on pourrait. Ça, par contre, il faudra le farmer passivement parce qu'on en a pas mal besoin. Et le Tier 9 me génère le Universe Creation Data, Denetronium Nuggets, Stellar Création. Ouais, ça, c'est easy. Juste ça qui coûte cher. Ouais, on verra plus tard ça. Ça du coup, maintenant que c'est fait, pouf, tiens, tiens, et rebelote. Par contre là, ça va coûter 5 bras parce que bah, il a besoin de recrafter plein de trucs derrière. T'as pas besoin de ropium là-dedans quand même, hein. Oh, la quantité de lingots demandée. Oh. Darium. C'est violent quand même, hein. J'ai pas l'impression qu'il ait besoin d'europium. Prends ça.
C'est quoi tous ces crafts là? On va devoir les mettre là-bas en attendant. Parce que vu qu'il manque des choses là-bas, ça va pas le faire. Bon bah go hein. Il va me générer combien de lingots? Que 4? Enfin, il va en prendre 4, mais il m'en génère 16, quoi. Ah ouais. Ça, c'est le problème des crafts qui demandent des blocs et des lingots. Donc, à la place, je vais plutôt lui apprendre à faire des blocs. Enfin, je vais lui apprendre à crafter des blocs. Plutôt que de le stocker là. Non, le craft est pas trop gros. En fait, si tu veux, il lit qu'il a deux blocs, il lit qu'il a 22 lingots. Donc le craft dit, ok, j'ai mes deux blocs, j'ai mes 22 lingots, j'ai juste à crafter quelques lingots en plus. Sauf que bah, les 22 lingots, c'est également les deux blocs. Donc le craft, il est un peu cassé comme ça. En faisant ce craft-là, normalement, ça devrait aller. C'est pratique d'avoir les compacting drawers, mais des fois ça marche pas. Chaotique. Ah là, là il peut. Parce que là il sait qu'il a pas tous les lingots qu'il a besoin. Hein. Oh, ça va trop vite. Tant mieux, tu me diras. Europium, t'en es où? Ah, on a quelques lingots. Donc on va peut-être pouvoir envoyer ça. UV. Il me faut... yttrium, barium. Non, je vais d'abord lui demander les deux bras. Go. Yttrium, barium, cuprate, cable. C'est cable qui veut? Ouais, c'est ça. Le bot est en grève. Alors ça, je sais pas. On attend que les crafts se fassent, ça. Comment on retire un item de GUI avec la dernière version de CubeJS? Alors, il se peut que ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, que tu sois obligé d'utiliser les blacklists de GUI. Mais normalement, si tu tapes GUI sur CubeJS, sur la documentation CubeJS, il faut que tu trouves la page JEI mais pas la legacy. Et normalement tout est dedans. Comment te sens-tu d'avoir fini Omniopolis? Je sens que j'aurais pas dû aller jusqu'au bout du modpack parce qu'il m'a gonflé. Et mon envie de faire du contenu en a pris un coup. Ça n'empêche que je vais quand même faire une nouvelle série à partir de lundi qui va me rebooster. Alors je sais pas du tout si ça lui enlève le diamant de l'Théo. C'est quoi? De quoi c'est quoi? Ça craft. Ah oui, parce qu'il a plusieurs circuits à faire. Tu fais le Minecraft live en live. C'est de quelle heure et quand déjà? Ouh, les circuits arrivent, les circuits arrivent.
On a un bras. Dimanche à 19h. Je pense que ouais. Je pense que ouais. C'est une quête ou pas? Et clac! Ultimate Assembling Machine, UV. On va pouvoir lui apprendre à faire ça. Il faut que je lui envoie du trinium. J'ai pas appris à faire du trinium en fluide. Ah bah attends, non, parce que le trinium. Ah bah attends, attends, j'ai plus de tri. What? Attends, j'ai un bug là. Déjà, ça c'est l'europium. Ah bah non, c'est parce que le trinium, je le mets en fluide directement là pour le balancer là. Ok. Pour enlever ça en fait, hein. Ça, je vais pouvoir l'envoyer dans la nouvelle machine. Donc ça, je peux l'enlever. Au final, je vais peut-être laisser ça à l'extracteur. J'aurais peut-être pas dû enlever le trinium de là-dedans. Il va vouloir me repéter tout mon trinium. Ok. Mais ça ici déjà. Voilà. Deux ans de sub. Ça commence à faire long quand même, madame de cœur. Effectivement, Saruna. Merci pour le 52e mois niveau 3. J'espère que ça va. h 20 h. Ok. Ouais, non, mais je pense qu'on le fera. On le regardera ensemble. Ouais, après, je sais qu'il y en a plein d'autres qui le feront de leur côté, mais peu importe, on fait ce qu'on veut, hein. Et après, on verra ce qu'on fera. Je sais pas du tout. Cinquante-deux ans de sub, bah oui. Ça m'embête pour le trinium. Ou alors, est-ce que extractor? Cher ça, hein. Ah non, le mieux c'est quand même de le balancer là dans un tank, hein. Enfin, dans un tank, dans un drum. On va utiliser ce drum là. Il fait combien déjà ce drum? Plus à chaque fois. Ceux-là ils font 16 buckets. Ok, et je crois qu'il fait 256 buckets l'autre, hein. Il y a. Ah, c'est ça. CC 32, 64. Ouais, on va pas utiliser ce drum là en fait, hein. Ça fait beaucoup. Va utiliser celui-là. Du coup, ça, je vais pouvoir l'enlever, hein. Puisqu'au final. On a juste à tirer du câble pour ramener un item. Et on va vider un truc comme ça. Ok, attends.
Ah bien cool. Push. Pour l'instant, ça va être au petit à petit. C'est-à-dire que je vais lui apprendre à faire ça. Très bien. Et je vais lui donner les fluides que j'ai ici en stock en attendant. Le Tritanium Wire. Tritanium Wire. Je n'ai pas ça. Donc, tiens. Et tiens. Le Nacodria foil. On l'a pas, hein. Est-ce qu'on a le Nacodria en plate? On a le double. On n'a pas le classique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. Ok, nice. Donc là, si je vais ici, que je lui donne ça et que je lui demande de faire. Ah oui, c'est pas connecté encore, il me faut un petit câble. Coil, tu m'en fais 16. Go. Je vais attendre qu'il envoie tous les items là-dedans. Le lait d'amande, j'ai jamais goûté. Je sais pas du tout si j'aime ou pas. Les laits de contravention. Bravo. Je vois que Love, tu t'alignes à peu près sur le même degré d'humour que Al. T'as pas besoin de le Théo finalement. Ça devrait aller. Quarante-cinq secondes, hein, le craft, hein. Je te remercie car tu m'as beaucoup aidé pour mon modpack. Bah avec plaisir, Lobby. Si t'as des questions, faut pas hésiter. Si je peux y répondre, j'y réponds avec plaisir. Pareil pour toutes les personnes actuellement dans le chat. Hein, si vous êtes actuellement en train de créer votre modpack de votre côté, que vous avez quelconque question, hein, ça me dérange absolument pas d'y répondre. Encore une fois, si je peux y répondre. Bien entendu. Si je peux pas y répondre. Fuck you. Oh, peut-être pas fuck you quand même. Pas exagéré, mais. Voilà quoi. Clac, clac, clac. Par contre, il va falloir que tu te connectes ici, mon ami. Très bien. Donc, ouais, il est full. Donc, là, il va juste remplir le buffer, hein. On parle pas assez de la musique. La musique? Alors, en même temps, sur YouTube, il n'y a pas de musique. Donc, si on commence à parler de la musique qui passe en ce moment en live, on va délaisser YouTube. C'est triste, hein? C'est supra méga long, hein? Un pull et là on va faire un push. Ça y est, tout le temps full. On va attendre que tout ça ça soit vide pour pouvoir récupérer ce qu'il nous faut là. Donc là, dès qu'on a nos 16 coils, on va pouvoir s'installer ici pour pouvoir faire notre Enrich Naquada Trinium Europium Duranidae qui va nous permettre de faire le wire qui va nous permettre de faire. Le wetware processor mainframe. Qui va nous permettre de faire.
L'ultimate circuit assembleur, je crois. Je sais même plus pourquoi on fait ça. Au secours. Déjà, c'est sûr, c'est pour ça. Ah, c'est pour faire le MK3 après. Attends-toi avec les noms. Ça va bien se passer, t'inquiète. Dis-toi que c'est les mêmes noms qu'on peut retrouver dans nos médicaments. C'est YouTube qui teste les lives. Ou c'est les gens YouTube qui n'ont pas le temps de venir en live. Ce qui se peut aussi, hein. Faut que j'ai les 16 avec moi, hein. T'as terminé ton craft, toi, là-bas? Bah ouais, t'as terminé ton craft, dis donc. Dis donc. Chaos. Enfin, chaotique. Tac. Tac. Et rebelote, on en refait un. T'as vraiment besoin de recrafter ça derrière? La vache. De toute façon, on va les faire un par un, ces trucs-là. Hein. Ouais, il y a une vache, ouais. Je le vois pas encore, mais elle est là. Finalement, le trinium, on aura ce qu'il faut, c'est cool. Mettre un blocking mode ici pour plus tard. De toute façon, là, il a tout envoyé. Hein. Donc, d'ailleurs, tritanium. Ah, il me reste 371 lingots. Ça va en vrai? Ça va. Cool. Tout ça, je peux l'enlever parce que ça va être ok. Ah, ouais, il n'y a plus qu'à être patient. C'est bon. Est-ce que tu commences à voir le bout de ce modpack? Oui et non. On voit le bout. Mais avant de pouvoir toucher le bout du modpack, il y a des kilomètres et des kilomètres à faire. Et à chaque fois qu'on arrive à une intersection, genre on va arriver sur cette intersection là, on va se dire bon, finalement il reste combien de kilomètres? Ah bah il en reste un petit peu plus. Mais en vrai, à partir du moment où je vais pouvoir faire mon Earth of the Universe, j'aurai le Creative Tank et à partir du Creative Tank, j'aurai toutes les ressources infinies. Je préfère le café ou le café? Je préfère le café avec un K. Le café avec un C, je le digère pas. Pourquoi tu veux lui toucher le bout? Pourquoi tout le temps avoir un esprit tordu? Cinq grosses pièces. Hein. Ennemi dollar. Ah, je voulais pas faire du gold. Oups. $41 pas mal ça, hein. Ouais. D'ici la fin de l'année, ça doit être bon. Oh, je pense que avant hein, même, hein. Je pense qu'avant la fin de l'année, ce sera bon. Hein. Moi, je dis la seule chose qui me fait un peu peur, c'est... Parce que, en vrai, j'aimerais beaucoup pouvoir faire, après ce modpack-là, faire Ragnar Mode 7, puisque je compte le sortir avant la fin de l'année. En fait, j'ai un peu peur que Ragnar Mode 7 ne soit pas terminé avant de terminer ce modpack. Si c'est le cas, il y a des chances qu'on fasse autre chose. Si j'ai terminé ce modpack après avoir terminé Ragnar Mode 7, on passera sur Ragnar Mode 7. En live. Comme ça, je fais la bêta test en même temps. De mon côté. Prends ton temps avec Nomi. Le problème, c'est que oui... Mais non en même temps. D'ailleurs, un truc que je me suis un petit peu embêté sur Ragnar Mode 7, je vous le montrerai probablement mercredi prochain.
C'est qu'on a le... Avec Avaricia. On dira sur Avaricia ici, il a retiré plein de trucs. Mais avec Avaricia, on a l'extreme crafting table. Sauf que sur les dernières versions, elle est buggée cette table. Elle est extrêmement laggy. Et j'ai pu recréer une table extreme crafting table avec... custom machinery. Donc finalement, c'est pas plus mal. Moins de lag. Seul défaut qu'il a, c'est qu'on n'a plus le petit plus. Là, on a un petit plus ici, normalement, sur le côté pour pouvoir tout envoyer d'un coup. Bah, ça, il n'existe pas sur les machines. C'est le seul problème. Mais sinon, ça va. Une option à la con à virer dans les configs. De quoi donc ? T'as fini toi de faire du bruit ? Bien, toi aussi, vas-y, tais-toi. Les problèmes de lag de la table. Alors, t'avais des problèmes de lag dans la table avec Extended Crafting Table, donc là avec les 4 tables de craft, qui générait beaucoup de lag avec la table basique qui prenait tous les crafts vanilla. Tu me diras, ouais, la table d'Avaricia fait pareil. Donc c'est peut-être ça le problème. Tiens, tu sais quoi, pendant que ça craft, je vais regarder vite fait. S'il y a des configs pour Avaricia, pour l'instant... A l'air d'être un petit peu dans l'os. Est-ce que dans les serveurs config nous avons quelconque chose? Non. Le mode Avaricia a 0 config. Comme ça. Fait. Fermé. C'est bientôt fini. Ils ont mis les effets visuels sympas de l'armure d'Avaricia, je sais pas. Ça, en tout cas, c'est l'armure d'Avaricia de la 1.12, donc elle sera parfaite. Sur la version 1.18, c'est le même mode, c'est le même gars. Donc je suppose que oui, mais j'ai pas vérifié, j'avoue. Les calculs pour chaque slot à chaque craft. Alors, je sais pas si elle fait vraiment un calcul comme ça, mais il reste un craft après ça, ouais ça. Comme dit, j'ai fait une machine à la place. Seul petit défaut de la machine, c'est que c'est pas comme une vraie table de craft où tu mets tes items et tu peux cliquer pour récupérer l'item. La table de craft, tu mets les items et elle te le craft automatiquement. Elle t'envoie le craft sur le côté tout de suite, parce que c'est une machine. Gros défaut aussi, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est que sur les machines, je peux pas trouver mes slots avec Integrated Dynamics. J'ai essayé de les chercher, mes slots, je les ai pas trouvés. Parce que si on avait la possibilité de trouver les slots, on aurait pu tout automatiser avec ça. Ça aurait été magnifique. Hélas. Hélas. On n'a pas ce qu'il faut. Alors mes coils. Allez, vas-y, là. Le craft final d'Enemy Factory. C'est... ceci. C'est le vrai pit. Comment vas-tu? Va refaire une série YouTube. J'ai plus rien pour m'endormir le soir en bien. Oui, à partir de lundi, il y aura une nouvelle série. Et normalement, demain, il y aura le World Tour de Omniopolis. Avec la map en téléchargement. Attends, mais... Il y a un problème, là, non? Allô? Ah si, c'est bon. Clac. The final coil. Ah oui, tu dois gérer un craft de 9 par 9. Après, tape ta ligne de code un petit peu dégueulasse. Hein. Parce que chaque slot que j'ai fait dans la machine a un ID spécifique.
Et c'est sur cette ID que je lui dis, ok, avec tel item dans tel slot, et tel item dans tel slot, etc., etc., ça te fait un item. Et du coup, je me retrouve avec... je fais pas, en fin de compte, le craft. Parce que normalement, dans les crafts d'Avaricia, tu fais ton tableau avec les slots, tu les numérotes, tu fais ABCD, 0, machin, bref. Et ensuite, en bas, tu leur donnes... tu fais, ok, le A, c'est un bloc de coal, le B, c'est un bloc de iron, etc. Voilà, en fait, c'est qu'une seule ligne. Donc, finalement, ça allège un peu le truc. Mais l'inconvénient, c'est que si j'ai un craft avec, par exemple, un carré de Infinity Ingot, bah, ça fait 32 Infinity Ingot. Avec la table d'Avaricia, tu fais, ok, bah, tu mets un A tout autour. Et le A, c'est l'Infinity Ingot. Bah là, avec ma méthode, avec ma machine, bah, je mets 32 lignes. Je peux pas faire de tableau pour lui dire, dans tel slot, tu peux mettre que ça comme lingot. Juste un peu chiant, mais bon, ça se fait, comme dit. Quelle police en nouvelle série? C'est vrai qu'on devrait appeler la police pour ce modpack, hein, parce que ça va pas, hein. Clac. Ouh, ça s'active, 13 secondes. Bah, du coup, il va directement pouvoir me le crafter. T'as déjà le modpack de la nouvelle série? Oui. Faut que je stocke ça. Voilà. Ouais, c'est... Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça dans leur mode. Et ouais, ça ressemble beaucoup aux shaders, ouais. C'est super classe, moi j'aime beaucoup. Hein. Allez, range. Voilà. Bon, bah du coup c'est bon. On a notre Enrich Naquada Trinium Europium Duranidé. N'est-ce pas? Maintenant, avec ça, on va pouvoir lui dire de faire des cabals. Et ces câbles, tu vas pouvoir me les faire en x2. Avant. Ah, mais c'est pas fini, ça? Bravo, les gars. Hein. C'est quand vous voulez, hein. Oh là, vous êtes mou, hein. Super. Un modpack à conseiller pour reprendre le modé. Déjà fait tous les Ragnamod Projectozone. Blackstone Block, effectivement, tu peux faire ça. Ok, bon, voilà, on attend. Clac, 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 clac. Je crois que je l'ai déjà mis en craft, ça, non? Ouais. Ok, il lui manque 5 lingots pour pouvoir faire le circuit. Très bien. Donc, on va pouvoir faire ce circuit-là et du coup, débloquer le fusion MK3. MK3 que... J'ai envie de regarder le Mark 3 que je pleure un petit peu, là. Ça va, on l'a déjà. Ah, les UV machines. Bon, du coup, ça 4 et il faut de l'ithrium barium que prête en molten. Ah, bah super. Par contre, le UHPIC, j'en ai autant. Ouais, c'est bon. Ça va partir vite. Hein. Et du coup, ça... Americium. Ultimate Voltage Coil. Ça va me demander... du Tritanium.
C'est en UV. Dans un assembleur. Oh, gosh. Ça, il nous le fallait pour quoi déjà? Ah oui, pour le tier 10. Pour avoir ça. Oh la vache. Cette quantité de craft en chaotique. Il faut quand même 10 tiers chaotiques. Hein. Ça va. Maintenant, on peut le faire. Ça pique un petit peu beaucoup quand même. Hein. On va continuer à faire en parallèle draconique, hein, évidemment. El Pupus, merci beaucoup pour ton raid. J'espère que ton stream s'est bien passé. Qu'on est capable de renvoyer ce craft. Tout ce qu'il demande. My God. Ça pique, hein. Bonsoir à toi. Fatigué, j'ai coupé plus tôt. D'accord. Bah, repose-toi bien. Start. Et encore, c'est rien ça, Shinokure comme craft, hein. Vas-y, hop là. C'est rien. Parce que rien que ça, t'as tous ces éléments-là à ramener pour avoir un mot of Omnium, tout en sachant que tu as l'exotique matériel catalyste qui demande tout ça en plus. Donc tu dois crafter ça et ça. Et une fois que tu as le mot of Omnium, alors ça on s'en fout, tu le passes dans un implosion compresseur pour avoir une nugget d'Omnium. Et derrière, tu as évidemment des crafts avec des lingots, des crafts avec plein d'autres trucs. Genre lingots, voilà, t'as le bloc aussi. Imagine la quantité que tu vas avoir besoin. Et nous, ce qu'on veut faire, notre goal en tout cas, pour pouvoir être bien, je vais d'ailleurs unbookmark tout ça juste pour pouvoir le prendre en premier, ça va être le Creative Tank. Ça, c'est le premier item créatif qu'on va pouvoir faire sur le modpack. Le mot... C'est le petit nom du mob vote. Ah. Je ne savais pas. Mais pour faire le Creative Quantum Tank Data, qui ne se consomme pas avec un bucket, donc on pourra avoir autant de Creative Tank qu'on veut. Ce Creative Tank nous permet de générer des fluides à l'infini. Ces fluides-là, comme je le disais, on va s'en servir pour faire nos ressources. Donc du coup, bah, l'Omnium, on pourra en avoir plein, quoi. Merci pour tes mois de pack bien pense et de qualité. Merci, cher Doardan. Merci beaucoup pour le 37e mois d'abonnement. Mais pour avoir le Creative Tank, il nous faut le Earth of the Universe. C'est bizarre qu'il n'y a pas de N à côté du A, ça me perturbe. Et du coup, pour ça, il nous faut des Erectne Draconium, donc ça, no problemo. Il nous faut le Neutronium Plate Micro Universe Harvester Tier 10. Avec un Universe Creation Data. Le Universe Creation Data va nous demander du Stellar Creation Data avec de l'Awakened. Je le bookmark parce que ça, je peux le faire. Hein. Et le Tier 9. Le Tier 9, on n'est pas loin, en vrai, de pouvoir le faire. Il nous faut des Super Chests 4. On a le nécessaire pour les faire, no problemo. Le UV Field Generator, je crois que j'ai déjà envoyé le craft. Et encore, je ne suis pas sûr. Faut que je regarde. Le Universal Navigator, on peut le faire maintenant qu'on a ce craft-là. Les Quantum Flux, Eternium, Heavy Plating, bah ça je vais pouvoir, j'hésite encore entre un craft et un passif, pour être honnête. Mais lui, il me fait un de ça, et en fait il m'en faut qu'un seul, donc pour ça je sais pas si lui je m'en servirais pour le Neutronium là. Ça a l'air d'être moins cher quand même de récupérer le Neutronium comme ça, mais en même temps là-dedans... Donc je regarde comment avoir le Neutronium. J'ai oublié. C'est avec lui et tout ça. Hein. Ah, c'est du Crystal Matrix. C'est chiant à crafter ça.
Après, c'est des ressources plutôt simples à obtenir, quoi. Mais là, ça m'en donne 16. Alors que là, ça m'en donnerait beaucoup plus. Bah, ça me donnerait un stack de lingots, finalement. Si, si, c'est du cube JS. Pour les crafts, en tout cas, c'est du cube JS. C'est vrai que j'ai pas pensé à essayer de faire un truc avec ça. Mais du coup, donc voilà, il me faut tout ça. On n'est pas très loin de pouvoir obtenir tout ça. Là, la seule chose qui me freine, c'est le... Non, le trinium, c'était bon. Ça, on peut le faire tout de suite si on veut. Krypton, j'en ai plein. Derrière, pour le tier 10, il nous faut plein de choses. Il va nous falloir les neutronium solar panel, des doubles neutronium plates. Donc là, il faut beaucoup de neutronium. C'est pour ça que j'hésite à utiliser le tier 9 pour récupérer du neutronium comme ça. Parce que ça coûte pas vraiment cher, il y a juste ça à faire. Et à mon avis, on le fera. Et pour avoir ça, il nous faut des blocs of omnium. Donc il nous faut deux panneaux solaires. Donc il nous faut 4 blocs of omnium. Sortons la calculatrice. On m'avait donné la quantité nécessaire, mais j'ai oublié. Hein. De omnium. Donc il me faut 4 blocs. 4 blocs, c'est 9 lingots, qui est égal à 9 nuggets. Donc il faut 324. 324 mottes of omnium. En soi, ça paraît pas énorme, hein, c'est 324 de chaque ressource là-dedans, c'est tout. Faut juste mettre les crafts en place et envoyer le tout. Mais il y a sûrement des choses là-dedans que j'ai pas. Enfin, sûrement. C'est sûr qu'il y a des choses là-dedans que j'ai pas. Et il faut également crafter l'implosion compresseur que j'ai pas. Hein. Je sais pas si on fait l'électrique. Oh, il a l'air stylé lui. À mon avis, on fera l'électrique parce qu'il est stylé. Sinon, c'est lui, hein. Mais lui, le problème, c'est que... Eh. On fera lui, là. Il est plus sympa. Il ira probablement plus vite. Et il faudra qu'on fasse soit de la dynamite, soit de la TNT. Et dans les deux cas, il faudra qu'on farme du gel toluène, qui se fait avec du toluène, qui se fait avec du heavy fuel, du wood tar. Tiens, avec le wood tar, on va pouvoir faire ça. Je crois que je dois en avoir du wood tar quelque part. Donc voilà, il y a encore des process à faire pour obtenir tout ça. C'est tout. Bah oui, c'est tout. Tu me donnes envie de faire des modpacks. Bah écoute, fais-toi plaisir. Au pire, si tu vois que ça te gonfle, tu peux arrêter à tout moment. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un kiff. Hein. Et puis les chaotic core aussi, il faudra... Ah bah oui, bah... Mais j'avais oublié, j'avais pas vu ça. Faut le dire. Attends. 324 plus. Donc là, c'est 4 et 4, 8. Il en faut 8. 16. Donc on va faire plus, entre parenthèses, 16 fois 9. Ça fait 460. Oh, on va s'en faire 500, quoi. Il nous en faut 500. Des nuggets. Ah. Enfin bon, voilà voilà quoi. T'en es où toi? Alors, ça a l'air d'être un modpack de petit pipi, mais bon, faut pas oublier que mine de rien, ça coûte cher de faire tout ça. Hein. Je pense que je vais commencer à récupérer mon neutronium comme ça. Il faut que je regarde pour faire ce craft là. Ça, je peux le faire. Je vais lui apprendre. Je vais pouvoir te... Non, je vais pas pouvoir te mettre là en fait. Hein. Je vais pouvoir te mettre là. Ah, j'ai plus de place. Interface. Ah, t'as de la place. De toute façon, c'est la prochaine étape du late game. Ouais, c'est ici. Donc, on va lui demander. Oh la vache, tout ce qu'il demande!
Pourquoi t'as besoin d'autant de trucs? Ah, c'est pour le Chaos Shard que t'as besoin d'autant de trucs. Bah oui. Chaos Shard, c'est qu'avec le tier 8. Finalement, c'est cher. Le Creative Tank Provider? Je sais même pas ce que ça fait. Ah oui, c'est vrai, tu me diras, j'ai pas regardé le craft, ouais. C'est du Trina Quad Alloy. C'est un alloy probablement sorti des enfers. Ça va se faire avec probablement le fluide. Carbone, Naquada, Trinium avec du néon. Et le néon, bah on en a plein. Donc non, ça va en vrai. Ça demande du trinium en coil pour les alloy blast smelting. Ce sera un peu long, mais ça se fait. En tout cas, pour cet alloy-là. Du tungstène carbide framebox, ça va. Puis après, du atomic casing, ça va en vrai. Non, c'est pas méchant. Le nombre exact est 486 mot of omnium. Ah, probablement parce qu'il y a des nuggets qui sont utilisés dans les crafts, là. Non, des trucs comme ça et ça là. Non, le Nacoda Reactor, on s'en fout. J'aime bien, oui, c'est le Nacoda Reactor, ça, non. On s'en fout. Bah, start, hein. Bah du coup revenons là-dessus. On va regarder pour faire ça maintenant. Donc il me faut un Blast Furnace. En UV. Ça dure 10 secondes pour le faire. Je pense qu'il va probablement aller au-delà. Bien, j'ai de la place. Non, vu que ça va être un craft, autant le mettre en dessous. Combien de lingots là? J'ai mis mon downgrade. Ouais, j'ai mis mon downgrade. On a bientôt un stack de lingots, c'est bien. Je vais me poser. Il n'y a plus de place, hein. Bien, je peux me poser là. Faire ça, les Awakened Plate, Quantum Flux et du Krypton. Krypton, ouais, Krypton on en a en ce moment. Ok, donc Input Bus. Ça me génère pas de fluide, hein. Non. Et coil, c'est du trinium. Hein. ZPM en énergie. C'est en UV, donc si je lui donne 2 ZPM, il sera en UV. Si on veut aller vite, il faudrait que je lui demande des ZPM énergie hatch. 16 ampères. Bien, je pense que juste un, ça devrait être suffisant. Hein. En vrai. J'ai besoin d'en mettre deux. Et interface pour pouvoir faire les crafts. Et interface pour envoyer les fluides qui seront automatiquement poussés. Et du coup, interface comme ça pour récupérer les crafts. Flux Armor, ça coûte cher à faire ça? Non. Ah ouais, Ned, j'ai pas de plaque, va falloir que je lui apprenne. Tout le flux, j'en ai plein, donc ça va. Enfin, j'en ai plein. Il n'y a pas de craft d'ailleurs pour ça, donc il va falloir que je lui apprenne à en faire. T'en as plus parce que... Parce que quoi? Parce que t'as plus de Moondust? Ouais, c'est ça. J'ai plus de Moondust.
Peut-être directement changer le craft pour faire celui-là, hein, à la place. Je crois que le craft, il est... Non, il est là-bas, le craft. Ou alors, il est... de l'autre côté. Il doit être derrière. S'il est là. Ouais, il a pas ce qu'il faut. Ok, on va modifier ça. Il a ce truc là, donc c'est bien. Et ça, on l'enlève. Et on va te mettre à la place ceci. Petit salut rapide, je retourne l'heure. Bon stream. Merci Anshiroam pour le 17e mois Prime. Merci beaucoup. Voilà, comme ça il le farme tout le temps. Mais je vais également lui apprendre le craft, hein, si jamais il a besoin d'en crafter. Ah, c'est vrai qu'il y a l'extracteur aussi, je pourrais les extraire. Quatre. Ouais, je vais arrêter ce craft là. Finalement. On va enlever ça. Donc ce craft là, je vais le faire directement à partir de l'impossible Realm Data. Le Realm Data il l'a en autocraft, donc je peux lui en demander autant que je veux. Il les fait vite en plus, et c'est terminé. Et donc ça... derrière, il peut me crafter ça, mais en extracteur, ça va aller ici. Et l'extracteur, je crois pas en avoir mis un dans les processing array là-haut. Non, ça me dit rien. C'est vide, c'est vide. C'est pas vide, c'est pas vide. Donc on va utiliser celui-là alors. On va aller jusqu'en ZPM. Il met 5 secondes en IV. Quand même, hein. Il mettra 2,5 secondes pour en faire. Ça, ouais, c'est long, hein. Allez, j'en mets 8. Extractor. Pas fait de pattern, je vais lui apprendre. Tiens. Donc là, si je t'en demande, ça s'appelle comment? Quantum. Ouais, ça va 3 secondes. Et il en fait plusieurs d'un coup. C'est raisonnable. Ça me va. Les interfaces, je les ai rangées alors que j'en ai besoin. Allô? On va faire ça, hein. Pas fini de me le faire ça, ouais, il a ces circuits là à faire. Ah, parce qu'il fait ça en même temps. Ok.
Alors là, tu bloques avec quoi? Ouais, les cristals Matrix. Hein. C'est fou le temps que ça met, ça. Salut, The SPDB. Bonne soirée, le pupus. Il y aura un bloc d'énergie, je vais le mettre au milieu je pense. On aura input là, ça ici, ça va être comme ça. Ok. Après presque 80 épisodes, ton ressenti sur Greg Tech. Comme une toxique, ton avis sur le mode? J'ai toujours trouvé bien le mode en fait. J'ai jamais eu d'avis négatif sur le mode. C'est comme tu le disais, c'est la commu qui me faisait ne pas avoir envie d'y aller. Mais quand je vois qu'au final, alors après c'est peut-être comment l'effet de la rentrée, l'effet de je ne sais quoi ou bref. Je sais pas si c'est dû à quelque chose d'autre que ce modpack là, mais on a beaucoup moins d'audience sur ce modpack là en live. Et surtout, beaucoup moins d'interaction avec le chat aussi. Parce qu'il y a des jours où, en fait, littéralement, ça parle pas pendant plusieurs dizaines de minutes dans le chat. Alors, il y a peut-être rien à dire. Sûrement que c'est le cas, hein, mais... bon. Moi, de mon côté, le ressenti, il est un peu bizarre, hein. Ça vaut la peine de mettre le cristal Matrix en passif. Alors je crois qu'il y avait un problème sur le cristal Matrix en passif. Ouais, c'était ça. Le Diamond Lattice, le problème c'est que pour l'avoir, il faut du Perfect Diamond et le seul moyen de l'avoir c'est d'avoir ça. Et ça, je peux pas le mettre en passif. C'est pour ça que je peux pas. C'est le problème. Bon, allez, on retourne sur Coil. On a plus que deux à choper. L'énergie. Tiens, je vais lui apprendre le craft tout de suite, comme ça ce sera fait. Blocking mode. En semi-passif, bah, ça voudrait dire que ce serait à moi de lui demander les diamants. Ouais, on peut faire ça, effectivement. Genre, je lui en demande plein et puis ça tourne tout seul jusqu'à ce que j'ai les lingots. C'est effectivement une possibilité. Je vais le mettre de côté, on va voir pour le changer. Donc là, il va pouvoir me faire mon PM 16A. Ça. Ah oui, il faut que je ramène le krypton aussi. Voilà.
Tu feras gagner énormément de temps. Énormément de temps, je sais pas. Parce qu'en fait, je vais envoyer des crafts pour récupérer les diamants, les perfect diamants. Mais comme très souvent, en fin de compte, on va sûrement se retrouver bloqué en mode j'ai besoin de faire ce craft. Ah bah, je peux pas parce qu'il y a déjà les crafts que j'ai envoyés pour faire du diamant. Et du coup, bah, ça avancera pas. Je pense pas gagner beaucoup de temps. Ça me fera gagner du temps, ou en tout cas, on aura l'impression de pas attendre. Mais je pense pas qu'on gagnera tant de temps que ça. Hein. Ok. Je n'ai pas appris à faire les plaques, c'est vrai. Alors, ça va à quelle vitesse ça? Il y a tout ça à faire. On craft ça. Il attend de terminer ça pour pouvoir me faire ça. Et dès qu'il va faire ça, normalement, il va m'envoyer le reste. Ah, il a pas fini de faire les flux électrons. Allez. J'ai bien fait de lui apprendre les crafts parce que du coup, il me les fait en parallèle, hein. Ok, 5 secondes. Ça va. De base, c'était prévu pour 10 secondes. Mais ça, c'est bon. Très bien. On fasse ça maintenant. Et là, ce qui nous ralentit, ça va être encore une fois les lingots, je crois bien. Parce que là, il attend quoi pour faire ça? Il attend pour faire les chaos shards. Hein. Il n'y a plus de craft ici, on est d'accord, oui. Il faudra attendre qu'il termine les lingots pour voir. Parce que là, je suis sûr qu'en fait, ce qui nous fait perdre du temps, c'est le fait que ce craft se fasse. Je suis sûr que je lui demande tout ça manuellement. Ah oui, d'accord, il me fait ça tout de suite. Je peux aller récupérer, je fais un shift click et balancer un stack d'un coup quoi. À mon avis ça se fait. Ah ok, là il avance ici. Très bien. Bon bah du coup pour le Crystal Matrix, si on veut le farmer passivement, il va falloir qu'on refasse. Ah la table je dois l'avoir, parce que je crois qu'on peut la dupliquer. Ah c'est ça. Et comment j'avais fait là-bas? Ah c'est ça, j'avais utilisé un automation interface. Du coup là on est sur du crystal tin pardon. Doucement. Il a tout là. Allez, on est les fous, on enlève ça. Allez, vas-y craft. Craft, 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 craft. Alors, où est-ce que je pose ça maintenant? Étant donné que j'ai enlevé ce craft là, peut-être tenter de se poser là. C'est bon, tout écho. Plus ça à la rigueur. Il n'y a rien dedans donc poubelle. Elite Catalyst. Ok, c'est fait. On n'a pas extrait de l'énergie ici, hein. Ah, quoique. Ender Steel, Ender Conduit. Si, j'ai extrait de l'énergie là. Et que ici, du coup. Je dois m'en servir pour ça aussi, ouais. Que je l'upgrade d'ailleurs ce câble. Parce que là, l'Ender Steel 32 000. Wow, en fait, j'ai pas besoin. Hein. Pas besoin de l'upgrade, ça en vrai. Ça ira très bien.
J'ai reçu trois notifications affirmant que j'ai gagné des récompenses Minecraft. Quelqu'un sait ce que c'est? C'est des skins pour Minecraft Bedrock, ouais. J'ai pas le jeu, donc aucune utilité, ouais. C'est... Encore une fois, super bizarre ce qu'ils ont fait avec ça, hein. Alors, Diamond Lattice 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. Ah, il doit refaire une requête. Urgh. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 diamants. Et 2, 4. Enfin 4. 6, 8, 10. 10 Nether Star. Ah, les Nether Star, elles ont pris cher, hein. Je crois que eux, je les avais stockés en... Ça a pris une petite déculottée. Et toi, du coup, tu travailles pas parce qu'il te manque. Oh, le luminescence! Oh my god. Le phosphorique. Ok. C'est la merde. Donc, on va pas farmer ça passivement, hein, vu que c'est un petit peu la merde. Mais clairement, vu le peu de choses que je lui ai envoyées en autocraft, et vu ce que ça me demande, je vais pas avoir assez pour faire des Nether Stars. Après, je sais pas à quel point je pourrais kill le Wither Boss pour récupérer des Nether Stars. Parce on peut toujours summon le Wither Boss. J'ai le Killer Joe. Mais je suis pas sûr que le Killer Joe... Oh putain, par contre, le Killer Joe... Non, ça va. Je sais pas si le Killer Joe pourra m'aider à bien kill le Wither Boss. Y a rien pour crusher les mobs. Pas de masher. Il y a que ça, quoi. Et Opsi Diane, on a ce bloc là. Donc on a l'arrêt renforcé d'obsidienne. Donc on va pouvoir bloquer le Wither. Mais ouais, le Killer Joe, il va se faire. Bah, il va se faire destroy par le Wither. C'est pareil, il faut le build le Wither. À mon avis, c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. Non, faut que je regarde pour régénérer du luminescence. Donc luminescence, c'est avec du phosphorique acide. Je vais regarder où est-ce que c'était. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. C'est là alors. Ouais, ça. Phosphorique acide, j'en ai plus. Et lui, pour le farmer, c'était dans le Large Chemical Reactor. Et du coup, il est là-bas, lui. Je crois que c'est lui. Faut de l'eau, de l'oxygène et du phosphorus dust. C'est le phosphorus dust que j'ai pas. Je sais plus qu'est-ce qu'il me disait le questbook pour le phosphorus. Je crois qu'ils m'ont parlé un moment. Hein. C'est dans mid-game? Je ne sais plus. Salut Kaiser!
Je suis de passage après presque 2 ans d'absence. Alors, le pouvoir d'être t'en sort, bah écoute, oui, ça roule très bien pour moi. J'espère que tout roule pour toi également, Kaiser. 2 ans d'absence, dis donc, qu'est-ce que t'as fait pendant 2 ans? Des études ou t'as juste décroché totalement de regarder du contenu, ou alors de regarder mon contenu, peu importe. Faust, c'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre. Indium gallium phosphide, vu quand je dois le crafter avec du phosphore, ce sera pas lui. Et le gélatine mixture, c'est avec du phosphorique acide. Justement, on en a besoin. Ça me fait 4000. Et il me faut 6000 pour 1, donc ouais, c'est pas bon. Il a vieilli. Ah oui, ça. Calcium phosphide, manganèse phosphide, phosphate dust. Je crois que c'est avec le phosphate qu'on va pouvoir obtenir notre phosphorus. Que je vérifie si c'est bien ça qui nous manque vraiment. Hein. On a de l'eau. Oxygène. Ouais, c'est le phosphorus. Donc, le phosphorus se fait avec phosphate. Le phosphate se fait avec du monazite, ou alors de l'apatite, ou alors du tricalcium. C'est un minerai, ça. On peut en crafter. Ah, mais c'est avec du pyrite. J'ai tellement pas envie. Oh là là, j'ai tellement pas envie. C'est terrible. Comme une flemme qui est en train de monter en moi. J'ai coupé quoi là? Gallium arsenide. Je l'avais coupé parce que j'avais besoin de l'arsenic, mais l'arsenic j'en ai maintenant. C'est peut-être le gallium que j'ai pu. Gallium, ouais, c'est un petit peu la merde. Rien ne va. Je suis revenu en France. Du coup, nouveau taf et tout et tout. Du coup, j'ai décroché complètement de Minecraft. D'accord. Bah, GG en tout cas pour être revenu et avoir décroché un nouveau taf. Moi, je fais toujours la même chose. À un degré un petit peu différent d'avant. Europium. C'est quoi, de toute façon, je pense pas en avoir besoin tant que ça avant un moment. Donc, je vais lui redemander d'insérer ça là-dedans. Ouais, il va me remplir les buffers. Ouais, non, là, il faut vraiment qu'on se pose quelque part. Le problème, c'est que ces deux lignes-là, c'est trop cher. Pour faire les machines. Et je vais plus vraiment avoir de place pour mettre une autre ligne, donc peut-être se mettre en bas. On va voir. Êtes-vous immortel? Non. Alors, je vais mettre monazite, je vais mettre apatite. Et le tricalcium. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tricalcium, on a quelques dust, sans plus. Apatite. On a pas mal de dust. On a du purifiède, faudrait que je le renvoie dans la machine. On a pas mal de dust d'apatite qui nous permettrait de récupérer un petit peu de phosphate. Il nous en faut 5 pour faire un phosphorus. Et un phosphorus. Il faut 2 phosphorus pour... Ça me fait qu'un bucket, quoi. Et le monazite, ça,
Je crois pas l'avoir touché. Monazite, j'en ai pas mal. Peut-être moyen qu'on fasse quelque chose avec ça. Faut l'envoyer dans un électrolyseur. Hein. Ouais. On va prendre de la place là. Je vais mettre les machines en LUV pour aller vite. Pas de la bordure. Non, là c'est pour faire passer le câble pour me connecter avec le stage drawer. En gros, câble conduit du coup aussi. P2P, clac. En gros, ça va aller comme ça. Et là, il va y avoir le câble qui va remonter. J'aurais dû cliquer là-dessus avant. C'est bon, il y a de l'énergie. Ça va être bien. Drawer. Voilà, on est bien. Merci Ardessia pour le troisième mois Prime. Merci à toi. Info qui vient de tomber, Horton devrait revenir à Survivor Series. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Étant donné que Riddle n'est plus là, eh bien on aura un Horton tout beau tout neuf pour nous faire de belles choses. Et ça, moi, je suis content. Du LV que j'ai pris, hein. C'est du LUV. Osmium Wire. Tac. Mon filtre. Ok. Monazite. Voilà, phosphate et rare earth. Drawer, on va pas se prendre la tête, on va faire un double drawer. Genre ça. Boum. Mais non! Calmez-vous. Qui? On lock. On change l'apparence. Et drawer,
tu blindes. Je vais te mettre un petit void pour void le rare Earth et puis c'est bon. Ok. Et là, on va lui donner du speed upgrade. Histoire que lui tourne non-stop là. Voilà. Donc Monazit. On a encore 76 000 de crush à passer. Hein. Et le crush, il va repasser dans la machine là-bas. Plus tard, quand on pourra. Donc ce sera... ouais, c'est le wash pour avoir le purified. Il va me faire des tiny pile of thorium. Et après, il repasse au macérator pour me faire ça. Ça me fait du néodymium. Ensuite, dans la centrifuge, qui me refait du néodymium. Et puis, c'est tout. On sera pas mal. Et du coup, toi, le phosphate, tu l'as. Attends, faut faire du phosphorus avec le phosphate. Mais je vais regarder d'abord s'il m'envoie le phosphate quelque part. Ça va être intéressant de le voir. Et s'il faut regarder. Non, c'est ici. Phosphate. Ouais, il l'envoie là. Il l'envoie où? Là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais attends, mais j'ai la blinde de phosphorus. Est-ce que j'ai juste déconnecté le phosphorus là-dedans? J'ai installé une ligne en plus. J'avais juste déconnecté la machine en fait. Hein. C'est bon, le phosphorique acide revient, donc on va pouvoir récupérer du luminescence. Oh la vache. Quel bazar. Quel bazar. Par contre, ça commence à être chiant ce truc dans l'œil. Ok. Au niveau des crafts, c'est terminé, donc le petit chaos, on l'a. On va le changer avec lui. On en est à 4. Et du coup, normalement, draconique, on a fait ça. Boum. Tiens, range tout ça. Ce qui nous valide, late game, cette partie-là. Ouais. Il faut juste... Ah bah le circuit, normalement, est terminé aussi. Ouais, le wetware. Wetware, pardon. Processor mainframe. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Congrats! You just unlock a new cap. See the cap selector thermal. Terminal app to use it. Super. M'intéresse pas. Progression, on a terminé de faire tous les circuits. Regardez ça. Et ce truc-là qu'on n'a pas fait. Il nous reste les deux vaisseaux. Et là, pour le faire, il faut qu'on fasse le réacteur stabiliseur. Oh, c'est tout ça en tir chaotique. Encore un loot pourri pour Minecraft Bedrock. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Que je réfléchisse, que je réfléchisse. Ouais, le neutronium. Il y a des alloïdes avec le neutronium. Du ruthénium, trinium, américium, neutronate. Ouais, ok. Donc, avant qu'on puisse se faire plaisir avec ça, il faut qu'on douille avec ça. Oh. Ça monte mais ça descend en même temps quoi.
Je sais même plus pourquoi il est utilisé. Ah bah si, il est utilisé pour... pour les Nether Stars. J'espère que ça va le faire. Hein. Bonsoir ML. Comment tu vas? J'ai pas oublié le resub. Madame Dégas. Merci Coinex pour le 16e mois Prime. Ça va. Là, on se rend compte qu'il y a... Il manque encore un peu de matos. Hein. Donc, bah écoutez, en attendant, je pense qu'on va... Vu qu'on peut pas avancer là, il nous faut absolument du luminescence. Donc, la luminescence, on est en up, mais on est en down en même temps. Le problème, c'est qu'on a également le phosphorus. Pour l'instant, le phosphorus, on est en up. Mais ce qui demande pour faire le phosphorus, on est en chute. Donc, j'espère que ça posera pas trop de problèmes. On verra bien. On va se regarder l'ultimate material. Voilà. On va regarder ça. Pour avoir ça, il va nous falloir des Wither Bones. Ça va se faire avec les pristines qu'on peut récupérer là-bas. Donc, c'est quoi? Ah oui, c'est un pour un en plus, hein. C'est dégueulasse ça. Hein. Wither Pristine. C'est lui qui me le fait? Ouais. On est pas du tout. Je pense qu'il est là. Ouais. On est à 35 000. Je pense qu'on peut... Attends. Bientôt 36. Je pense qu'on peut lui dire d'arrêter un petit peu. Hein. On va lui demander de faire des os. Ok. On va mettre les os là. On a également toi là-haut. Tu vas pouvoir faire ça à la place maintenant. Très bien. Les cœurs, c'est pas un problème. Dragon Scale, c'est pas un problème. Et du coup, avec ça, on va pouvoir commencer à regarder pour l'Ultimate Helmet. L'Ultimate Chestplate, l'Ultimate Leggings, l'Ultimate Boots. L'Eternal Catalyst. Alors, l'Eternal Catalyst, à quoi il sert? Je l'ai pas vu celui-là. Il sert à faire un Infinity Ingot. Il sert aussi à faire l'Infinity Catalyst. On a besoin pour l'Infinity Ingot. En théorie, l'Infinity Ingot, on peut le transformer en fluide, ça. On peut pas transformer l'Infinity Ingot en fluide. Non. Ah, si, peut-être comme ça. C'est non. Je vais peut-être me lancer dessus à quelques potes. On verra jusqu'à où j'arrive à aller. Ça marche, Koenex. Salut Florian. Faut qu'on fasse l'ultimate gem. On va regarder si on peut faire ce craft là. Mais je crois qu'il y a des gems qu'on n'a pas actuellement. Il y a trop de trucs, hein, ça passera pas là-dedans. Bah non. Ok. Ultimate Gem, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas l'Anti-Sync Crystal, on n'a pas le Weather Crystal et on n'a pas le Prismarine Shard. Ouais, Prismarine Shard, ça va plutôt être simple à fixer. Ça va être là-dedans que je vais le faire, je pense. Ça, je vais juste balancer du quartz. Ou alors, je le farm avec ça. Peut-être le farm avec ça, en vrai. Ce sera plus rapide. Ça va être le Loot Fabricator. S'il vous plaît, laissez-moi cliquer sur mon Loot Fabricator, là. Voilà.
que je me pose? Pose là. C'est quoi qu'on a du signalum? Cristal. Alors. On a tout ce qu'il faut pour crafter ça, hein. Voilà. Et par contre, lui, ce qui va poser problème, c'est Villager. Donc, en soi... Combien de temps ça met ça? Ouais, ça, c'est pas si rapide que ça à se faire ça. J'ai plus de place de toute façon pour mettre des machines Ender IO quelque part. Par rapport à ce que j'ai installé là-bas. Donc, bah, ça va aller en dessous. Je vais probablement me mettre là d'ailleurs. Vu que j'ai du câble ici. Et je vais faire un craft ça égale ça. Faut juste que je lui envoie de l'XP. Donc, Soulbinder, vas-y. Ah ouais. Genre pour de vrai, j'ai plus de Grain of Infinity. Mais non, j'en ai plus du tout. Si on en a plus, bah faut qu'on en refasse. Et on va s'en faire beaucoup. Donc c'est black, white, white. Donc black. Celui-là. Calmez-vous. Ok, Firewater, est-ce que j'en ai? J'ai un bucket de Firewater. Il faut qu'on en refasse de ça, du coup. Firewater. Ouais, ça va juste demander des watts. Est-ce que j'en ai? J'en ai un. Ça devrait être suffisant pour ce que j'ai à faire. T'en demander un KO ou pas? Yes, let's go. Home. Pour l'instant, le VAT, on va le connecter là. Capacitor, on va te demander le gros. Ça en ira plus vite. Et donc, pour le Firewater, il va nous falloir du Ouch. Et pour du Ouch, il nous faut de l'eau. Et alors, des graines. Oh, Poisonous Potato, c'est pas mal ça. Si on peut, hein. Et le mieux après derrière, ça va être du sucre. Ouais. Tiens.
Potato, on n'a pas de poisonous potato. Yes. Donc ça va être seed, hein. J'en ai plein. Oh si, tiens, je vais prendre ça. Voilà. Je vais vouloir récupérer le hush sur le côté. Hush. Donc une fois que lui il est full, on va pouvoir se faire 16 buckets de firewater et c'est justement ça qu'il me faut. On va utiliser 16 under chest. On va se faire un énorme champ sur la bedrock pour générer du infinity, du coin of infinity parce que je farm le Grain of Infinity depuis le début du pack quasiment. Et c'est étonnant de ne plus en avoir maintenant. Tiens, on va le laisser tranquille. En attendant, on va pouvoir récupérer ce qu'il faut pour ça. Donc ça va juste être 16 de Blaze Powder, 16 de Redstone. Là. Et pendant que ça se fait, on va aller NCT. NCT. City, pardon. Home City. Je sais plus du tout où j'ai mis ma première ferme of Grain of Infinity. C'était là. C'était là. Et j'avais déchunkloader la zone. Donc c'est pour ça que ça ne marchait plus. Ok. Très bien. Bon bien, on est parti. On va... J'ai pas de night vision malheureusement. J'espère juste pas tomber sur un milliard de lacs de lave. Ah, il y a ça, c'est un petit peu plus chiant par contre. Purée, c'est blindé ici. On va juste faire en sorte que ça arrête de couler. Même plus par où ça coule. Ok, laisse-moi passer. Ah, ça vient de là. Merci, monsieur Kureji. Merci à toi. Ouais, ça vient de là. Ok, c'est bon. Ah, voilà, voilà de la lave. Comme on l'aime. Les trucs qu'on cramait. Je fasse gaffe par contre parce que oui, je suis pas immunisé face au feu, hein. Et il m'a cassé ça, ok.
pense pas avoir des sponges pour ça, non. Ouais, la zone, je vais faire en sorte de la décor, effectivement, ouais. Étant donné que ça va rester chunkloadé, c'est une chose que je vais garder pour le la map en téléchargement. Regardez par là-bas alors. C'est un poil relou. Autant l'obsidienne, ouais, ça va, mais faut tout casser après derrière. Oh, c'est le genre de choses sur Minecraft vraiment super chiant à gérer, ça. T'as pas les outils, alors qu'on est en modé. Je devrais pouvoir avoir normalement le... Ça, voilà, j'ai ça. Plutôt que de m'amuser à tout péter, là. J'ai oublié de faire un validé. Ouais, d'accord. 8. Moins. Voilà. Ça me supprime la lave aussi, hein. Quel plaisir. Allez, il y a toute cette saloperie qui tombe maintenant. Ah là, pour le coup, ouais, c'est du cheatage, il n'y a pas de problème, hein. Fais-moi la lave. Ah non, tu prends pas. Ok, tiens. Alors là, je calcule pas du tout combien l'espace que ça va prendre. Hein. Je casse tout parce qu'il y a de la lave. Alors toi, casse-toi. Le reste, on pourra probablement gérer ça d'une manière ou d'une autre. Quoi? Ah oui, c'est vrai que j'ai ces buckets-là. Ok, vide-moi ça, c'est bon. Prends-moi ça. J'ai oublié que ça, c'était à fond. Je suis pas sûr que ça supprime les liquides là-haut. Hein. En termes de hauteur, on n'ira pas plus loin que ça, je pense pas. On va se mettre
Ce sera lui notre chunk central, hein, on va dire. Voilà, on chunk load. Faut qu'on regarde où est-ce qu'on pose les buckets pour maximiser la l'espace. Et du coup, si je tape hopper, ouais, faudra qu'on utilise quand même ça, les ender hopper. Mais je crois que les ender hopper, on avait fait, on avait regardé comment ils pouvaient les récupérer. Est-ce qu'on a les... Comment ça s'appelle avec Thermal, là? Comment ça s'appelle déjà? Ça, le accumulateur. Je pense pas que ce soit ouf comme distance pour récupérer le stuff, mais... On va voir, hein. Donc whitelist, on va te mettre la cobble. Ah, il ramasse à partir de là. Donc là, c'est le max. Et c'est un carré, hein. Ça a l'air d'être un carré. Ok. Pas mal ça. Pas mal de le mettre dans le chunk déjà chargé. Alors le problème c'est que là, je suis ici, mais il va y avoir plein de chunks autour qui vont être chargés, hein. Parce que je suis obligé de me mettre sur la bedrock, j'ai pas le choix pour farmer ce que j'ai besoin. Y a pas d'autre moyen. Donc il est toujours bon. Est-ce que ça change rien au niveau de la hauteur? Non. Après, il faut regarder avec le fil ce que ça donne. Donc on est là, ça veut dire que là, il va s'arrêter là, normalement. Ouais, il capture pas là, mais il capture là. Hein. Ouais, ça. Et vu qu'il est de ce côté-là, ça s'arrête là. Ça y est, récupère. Oui. Donc ça, c'est son centre. Le flux d'ici, ça va aller comme ça. Rapide, hein. C'est terrible, on voit rien. Hein. Voilà, on va y voir quelque chose. En hauteur, on a dit qu'on n'allait pas plus loin que ça. Ah, ça supprime quand même le fluide. Ok. Ça n'empêche que le fluide vient de là-haut. Hein. Oh, on bouge tellement pas vite dans ce fluide, c'est terrible. Je peux pas aller plus vite que ça. Hein. Et Dorifort. Bah écoute, oui, ça va et toi? J'ai l'impression que ça enlève le fluide en dessous, hein.
Ah si. Si si si. Ok. Ça l'enlève. Très bien. C'est terrible. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc là, si on prend la diagonale. 1, 2, 3. Ok. C'est-à-dire qu'on peut mettre d'autres fluides. Ça va toucher ces bords-là, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Et du coup, on va remettre l'autre fluide ici, quoi. On va se poser là pour l'instant. Et ça va être add new infinity farm commit, s'il te plaît. Voilà. On retourne ici. Éloigne ça tout de suite de ton inventaire. Alors ça, c'est fini? Ok. Finalement, j'en ai pas besoin d'autant. Calme-toi, toi. Voilà. Alors, poule. Tiens et tiens. Et là, on attend le Firewater. Ok, pendant que ça se fait, on retourne là. Toi, de toute façon, il va falloir que tu te mettes en whitelist ça. On va capturer tout ce qu'il y a là. Pas fini d'enlever ça, toi? Oh. Allez. Voilà. Oh les gars, eh! Se calmer, hein! Ok, 15. Ok, il fait les derniers. Nickel. On a tous les buckets qu'on veut maintenant. Bon, bah, tu me diras, j'en ai un là, donc pouf. Et ça enlève les deux derniers points. Très bien.
Enlève ça, c'est terrible. Ok, là c'est pareil, il va falloir que j'en mette un là. Faut que j'enlève la flotte qui tombe ici. Et là. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui me dérange. On va déplacer ça. Ça sera pas de problème. Là, on va mettre les Ender Chests. De toute façon, c'est sur un output vers le haut. Donc, tiens. Voilà, il reçoit tout. Faut que je refasse des vacuumulators. Je pense que ça, ça devrait être suffisant. On va probablement pas utiliser les 16 Ender Chests en vrai. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon fluide? Ça devrait être par là. Salut Stan. On va peut-être garder ça ici pour l'instant. Ok, donc là on est pas mal. Il y a des zones qui n'absorbent pas parce qu'on n'est pas encore. On n'a pas de quoi les absorber pour l'instant. Donc autant limiter, voilà, on est limité. Il y a les zones au milieu qu'il faut qu'on ramasse. Tiens, récupère ça. Ouais, d'accord, ça fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, en vrai, je vais me mettre là, hein. Pas m'embêter, je pense que je vais encore mettre 4 buckets et ce sera tout, en vrai. On aura ce qu'il faut. Ok, on a toute cette zone là maintenant. Il faut qu'on récupère ce qu'on va pouvoir farmer là. Face un seul, c'est ça. Clac. Et du coup, Grain of Infinity, on en a toujours pas, hein. Malgré ce qu'on a ajouté.
Que balle. Donc ouais, on a un petit peu beaucoup creusé. Je peux dire pour rien, mais un peu trop, quoi. Peut prendre les blocs maintenant de labo pour faire de la déco. On va prendre ceux-là. Ok. Alors maintenant, les zones ici au milieu, ça se récupère pas. Il doit y avoir juste le carré ici qui récupère pas, en vrai. Je pense, hein. Ah, quoique. Là, il récupère. Là, il récupère pas, il est trop loin le truc. C'est pareil pour lui, hein. Ouais. Là, ça récupère. Même pas. Là, ça récupère. Et donc, au final, on a cette partie-là qui récupère pas. C'est bizarre. Bon, on récupère pas, c'est pas grave, hein. Ouais. Ah, on choclote tout ça. Comme ça récupère le nécessaire. Et ok, on commence à être en positif dans le Grain of Infinity. Bonne nouvelle. Il y en a qui partent. Là, il y en a 4 qui sont partis. À mon avis, c'était pour faire les gears. Donc, on a comme ça. Pas. Ah, mais on s'en sert pour l'Enrich Nakwada aussi, non? Non, on le fait pas encore ce truc-là. L'Enriched Nakwada. Non, lui, on le farm d'une autre manière. Comme ça. Donc non, ça va. Non, ce positionnement n'est pas très opti, effectivement. Bah, c'était pour avoir un maximum de surface pour comment le Firewater. Le problème, c'est que eux, ils absorbent pas de la même distance que le Firewater. Donc bon. C'est pas grave, ça va rester comme ça. Qu'est-ce que je prends comme bloc? Ouais, celui-là, c'est très bien.
Voilà. Je vois pas, hein. Ouais, c'est 1.12, hein. C'est peut-être pas la même chose. Toi là comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du verre un cran au-dessus. Et sur ce cran au-dessus, on va peut-être remettre ça, hein, ce laboratory block. Non! Range ça. Longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, non, je pense que vu que c'était en 1.12, on n'avait pas encore le nécessaire. D'ailleurs, KO, t'as fait ou pas? Oui, tu me l'as fait. T'as vite fait. Pose-toi là. Tac, 7 here. On revient là. Je vais te prendre ceci, te mettre cela, te redonner ça et t'en redemander. Fuck! Magnésium diboride. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on l'a pas? Ah, c'est le boron, je crois que j'ai pu. Ouais, le boron, j'ai pu. Bon, et bah comment dire que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui va sur la progression. On est bloqué de partout parce qu'on n'a pas toutes les ressources. Je vais terminer ça et puis on verra après pour le boron. On va encore devoir faire des trucs ridicules. Et ça va être fatigant. Glace, 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 glace. Peut-être prendre du quartz glace. Se farm. Alors je fais l'autre version. Ah, l'autre version, ça va être là-dedans. Oh, c'est mort. Ça ira très bien, tu sais quoi? Voilà. Voilà.
fera un tri là-dedans au niveau des murs plus tard. Hein. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. 7 IA. Voilà, home. Bon, faut que j'aille voir où ça en est chez elle en 1.18. Faut absolument ce mode sur Arc de mode 7. en vrai, ça pourrait être bien. Hein. Oh non, la musique elle est pas creepy. Je raconte. Bon, alors, Boron. Comment on l'a? On peut le farmer avec un tier 5. C'est un petit peu cher en iridium, non? T'exagères. Ou alors avec du lépidolite. J'en ai un petit peu. Mais par rapport au multibloc que j'ai installé, j'aurais pas le boron. Ou alors, ce sera avec borax. Tu peux récupérer du borax quelque part. Ah, tu peux récupérer du borax comme ça. Et je peux en récupérer pas mal en plus. Est-ce que j'en ai du borax? Pas du tout. J'ai zéro borax. Super. Impeccable. Nickel. Je bookmarque le borax. Le borax, se récupère avec le rock salt ou alors le salt or. 14% de chance là-dedans. Et ensuite, on récupère des tiles, des piles ici. Du coup, rock, plutôt salt. J'en ai un peu. Enfin, j'ai salt péter, j'ai salt et j'ai rock salt. Je sais pas s'il m'en restait là-dedans. On arrive à la fin de la liste. On a du rock salt qui va pas tarder à passer. Là, il doit faire le power lit là. Alors, j'enlève ça. Pour l'instant. T'as pas bientôt fini avec le cassitérite? Il me le sort d'où le cassitérite? Elle me le sort d'en bas? Ah, d'accord. Je vais arrêter de tout lui enlever alors. Bah c'est pas grave, on va se mettre un setup ici pour générer notre borax. En attendant. Hein. Donc on va passer le rock salt là-dedans. Et le rock salt, on va... Alors où est-ce que je peux en récupérer le plus? On a la centrifuge qui me donne ça et ensuite on a ça avec 14% de chance. Là, c'est pareil. Ouais, c'est mieux de passer par le thermal centrifuge. Thermal centrifuge LUV. On va voir ça. Et bah, c'est à retour. Nice. Sur un Jenkins, je sais pas ce que c'est ça. Fais ton bloc avec CubeJS à quelques fonctions bien senties, c'est vite fait. Non mais encore une fois, il faut que je regarde le mode avec le chisel, savoir si je peux travailler avec. Faudra m'y faire penser mercredi prochain, savoir si on fait un truc comme ça. Voilà. Parce que ça se trouve, il y a peut-être moyen. Hein. Alors j'ai plus de monazite. Ça veut dire que le phosphorus... Lumi... Ça bouge plus ça, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas autant, je vais le dire, hein, autant dans la merde que ça. Hein. Parce que là, littéralement, il nous manque trop de trucs pour l'endgame. On n'a pas toutes les ressources.
Pourtant, on n'est pas loin de ce truc-là. Hein. Une fois qu'on l'a, c'est fini, mais... pas ce qu'il faut. Et j'avoue que là, ça commence à devenir un peu frustrant. Tu me diras, je vais prendre un x4. Un fichier d'un craft 9x9. Ok. Ça. C'est le Borax Dust, ça va aller là. Là, ça me fait le rock salt et ça peut me faire du borax. Ok. Et le rock salt, bah ça va aller là. Ok. Et le borax, on avait dit. Dans l'électrolyseur pour avoir du boron. Par contre, il en faut 23 pour avoir 4 borons. Pas grand chose, hein. Faudrait pas le coup de changer l'or processing pour ajouter les steps qui font les tiny piles. Ça ferait plus de ressources de l'endgame. Mais il y a déjà tous les steps. Là, ça s'occupe des tiny piles, là, ça s'occupe des autres. En fait, tout ce setup là. C'est pour avoir le maximum de ressources possibles sur un minerai. Il est déjà maximisé le truc. Donc on a dit l'électrolyseur. Ça et ça. Donc le bon forcément il sera dégagé. On va faire un void fluide. Avec un filtre de fluide. Et l'oxygène, on va la récupérer. Bien de le récupérer. On va se mettre comme ça. Hein.
Voilà. Bon. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire pour le Boron, hein. À moins d'aller récupérer par là. Je vais quand même regarder si je peux lui faire ce craft-là pour le récupérer de là, mais... Ça me paraît excessif, hein. Je peux le faire là. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ok. Et lui, il va dans le l'Advanced. L'Advanced tier 1. C'est dans lui. Donc c'est le tier 5. Et puis lui, il est différent. Hein. Ok. Donc Boron. Salut Artrox, oui, je vais sûrement le stream le Minecraft Live. Je sais pas ce qu'on fera après le Minecraft Live. Peut-être qu'on se mettra sur du modpack dev sur Rack de Mod 7, pourquoi pas. Hein. Mais ouais, je compte le faire, ouais. Après, ouais, du coup, on peut faire ça, hein, mais bon. Magnésium diboride. Ok. Il est déjà en train de me les crafter là, c'est bien. Nice, il a tout envoyé. Travailles toi? Ouais, tu travailles toi. Ok. 50 secondes. T'es en quoi déjà? T'es en IV? Oh, peut-être te monter ça par contre. J'aurais l'UV là. Tiens l'UV. RJH. Petit converteur. Il est où? Il est là. Ça ferait pas de mal. Tiens, allez, on enlève ça. On enlève ça. Donc il disait 50 secondes. Hein. Bon là, le craft redescend parce que forcément, il peut pas le terminer, mais c'est pas bien grave. LUV. LUV. Le converteur, il est là. LUV de cable. Boum, boum. Clac, clac. 50 secondes, on passe à 25. Cool. C'est quel mob tu vas voter? Pour le coup, je vais voter pour aucun mob. Il n'y en a aucun qui me tente. Et j'en vois aucun d'utile. Donc bon. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, ça aussi. L'etching cristal, j'ai toujours pas fait le craft, ouais. On est passé sur autre chose. KO. On peut. Go. Non, parce que le problème du crabe, c'est qu'il va te prendre un slot d'inventaire. Que ce soit ta main droite ou ta main gauche. C'est sûr et certain. Donc ça va être embêtant. Non mais tu rêves, Al. Tu rêves. Tu rêves. Tu rêves! Les yeux grands ouverts, comme ça. Paf! Bon, bah il faut espérer que la prochaine fois qu'on se lancera sur Nomi Factory, on ait... Un petit peu plus de matos. Déjà, Enderium, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien? Enderium, on est très bien. Ok, Trinium, on est bien ou on n'est pas bien? Trinium, on est bien. L'Enrich Nakwada, ça va.
Il y avait également... C'était quoi l'autre lingot là qu'on farm également? Ça, le... Le Darm Stadium. Le Darm Stadium, il est à fond. C'est-à-dire que je le farm en fluide maintenant? Oui. Donc ça, c'est ok. Ah, tu me diras, vu que je le farm en fluide, autant... Et... C'est au-dessus encore. C'est pas là. C'est pas là en plus. C'est quoi ça déjà? C'est du duranium. Ah, on peut peut-être lui demander de me refaire du duranium aussi. Il est où lui? Le Darm machin. Là? Là-bas? Je sais pas. Je sais pas où je fais le lingot. Mais faut que j'augmente son buffer. Descends! C'est pas possible ça. J'étais pas loin. Et il est là, ok. Tiens, voilà. Donc il y avait ça, il y avait le tritium. Le trit. Voilà. Tritanium. C'est pareil, on est bientôt à un stack de blocs, donc c'est très bien. Je pense pas qu'on avait besoin de faire vraiment plus que ça. Bien que, vu que je vais le laisser tourner le modpack ce week-end, je vais le laisser tourner. Je me reconnecterai dessus de temps en temps pour voir si mes turbines sont pas décédées. Je vais enlever ça, comme ça, ça tournera tout le temps. Et à un moment, je relancerai la prod de ce lingot-là, là, donc du coup du uranium, puisqu'on en aura besoin. Et voilà. Du coup, je laisse là. Merci d'avoir suivi. On se retrouve maintenant dimanche pour Minecraft Live. Ça commence à 19h apparemment, donc je lancerai le... Wow. Je lancerai le stream un petit peu avant, histoire que les gens arrivent. Et après le stream du Minecraft Live, je pense qu'on ira sur du Ragnamod 7 en dev. Ou alors on fera autre chose, ou alors quoi, j'en sais rien. On verra. On se laisse le temps de réfléchir. Sur ce, bonne nuit tout le monde, merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Bye bye.